de petites fermes ou des particuliers faisant pousser leurs légumes, pourraient être placés sous la supervision directe du gouvernement fédéral grâce à une nouvelle législation présentée au Congrès. La résolution 875 a été présentée à la Chambre, sous le nom de Acte de modernisation de la sécurité alimentaire 2009, en février par Rosa Deloro, dont le mari, Stanley Greenbuhr, dirige les recherches pour la firme Monsanto, le leader mondial de la production d'herbicides et de semences génétiquement modifiées. La nouvelle loi viserait à réduire les risques de contamination par la nourriture, bactéries, produits chimiques, toxines naturelles ou artificielles, virus, parasites, prions et autres agents pathogènes pour l'homme. Elle concernerait les établissements qui produisent, stockent, font transiter ou vendent toute catégorie de nourriture. Fermes agricoles et aquacoles, ranch, vignobles seraient soumis à une stricte régulation gouvernementale. Des experts de l'industrie alimentaire, mandatés par le gouvernement, pourraient venir demander de mettre aux normes de petites exploitations, causant des mises en faillite nombreuses. La blogosphère s'agite et relève les risques suivants. Obama et son équipe cherchent-ils à tout nationaliser pour désarmer la population et contrôler la nourriture? Super. C'est très écolo de la part d'Obama. Quel est son motif véritable? Ça va trop loin. La FDA autorise déjà bien assez de poison dans notre nourriture. Si tu meurs de faim, tu ne pourras plus te défendre pour rester libre. Celui qui contrôle la nourriture, c'est celui qui fait les règles. Le gouvernement a peur de perdre de l'argent en impôts collectés. Imaginez les taxes perdues si tout le monde fait pousser ses légumes. Imaginez si les gens coordonnaient leurs efforts entre amis, voisins et familles. En peu de temps, les gens pourraient manger le produit de leur propre effort et vivre en autarcie. Ils veulent rendre dépendant du gouvernement. Ils veulent endetter mes arrière-arrière-petits-enfants, m'enlever mes armes, m'interdire toute médecine parallèle. Nous avons besoin d'une révolution contre ce nouveau fascisme. Les mises aux normes seront excessivement chères pour les petits exploitants. Sans l'ombre d'un doute, ils confisqueront votre propriété en cas de risque de contamination ou si vous n'êtes pas aux normes. Ne perdez pas votre temps à raisonner les criminels de Washington. Tout cela se terminera en révolte sanglante. Plus je regarde cette loi, en apparence inoffensive, plus je la déteste. C'est une façon lâche de pousser les petits exploitants à l'illégalité, car nombre d'entre eux feront le choix de ne pas se plier à la loi.